qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? C'est toi? C'est toi? Rebecca. Rebecca. Ça ne peut pas être toi. Non, c'est impossible. On m'a dit qu'il y a eu un accident horrible. Et moi, je n'avais peur que d'une chose, c'est que tu m'oublies. Je suis là, mais je suis tellement perdu. Perdu, pourquoi? Pour Carlos et Ernesto? On m'a dit qu'il n'était pas bien, c'est vrai? Rebecca, Monsieur Ferrandis doit être fatigué. Il vient de faire un long voyage, n'est-ce pas? On va le laisser s'installer. Non, non, il faut non. Il se repose, après vous pourrez s'installer discuter. S'installer où? Je ne veux plus rester ici. Je déteste cet endroit. D'accord, d'accord, je reste ici. Promets-le-moi. Oui, je te le promets. Je vais seulement sortir un petit moment, prendre l'air et je reviens. Non, me laisse pas toute seule ici, s'il te plaît. Je n'aime pas cet endroit. Ne me laisse pas ici, je t'en supplie. Je déteste cet endroit. Je déteste cet endroit. C'est d'accord, c'est d'accord. Je ne m'en vais nulle part, je te le promets. Je ne vois pas pourquoi ça t'étonne que ton mari agisse comme ça. Tu as toujours été une subalterne pour lui. Pour lui, tu continues d'être sa secrétaire. Maman, s'il te plaît, ne me dis pas des choses aussi dures. Je me sens encore plus mal. Franchement, je serai toujours dure avec toi. C'est évident que tu continues d'être sa secrétaire. Celle qui obéit à ses ordres et par-dessus tout, celle qui ne pose pas de questions. Maman, je suis son épouse maintenant. Et je suis persuadée que Leonardo m'aime autant que moi je l'aime. On s'est promis d'avoir confiance l'un en l'autre et d'être toujours sincères. Ah, mais ça, j'en suis sûre. Il t'a promis le ciel. Mais il n'a pas tenu ses promesses. Maman, je ne sais pas, c'est peut-être moi. Je suis sensible et je suis en train d'exagérer non, la situation. Non, non, non. Tu n'exagères rien du tout. Tu as entièrement raison d'être fâchée parce que ton mari est parti comme ça, sans même te donner d'explication. Ma fille, très franchement, tu ne sais pas comment ça me contrarie, toute cette situation, surtout que je t'avais avertie. Maman, aujourd'hui je suis très triste. Et je suis venue te voir parce que j'avais besoin de ta compagnie, de ton soutien, des conseils d'une mère. Et honnêtement, parfois, je sens que
que ton caractère est plus fort que ton amour. S'il te plaît, ne te mets pas contre moi. Non. Je ne suis pas contre toi. Je suis ta mère et je t'aime. Ce sont ces gens qui te font du mal. Irène, je savais pas que t'étais là, ça me fait plaisir. Laisse-moi juste aller chercher Maria Lucia à côté. Comme ça, on pourra passer un moment en famille. Il faut qu'on célèbre le fait qu'enfin, nous aussi, nous avons le droit au bonheur. Je reviens. Et je suis allée trouver Léo là-bas, à la société, et je lui ai fait entendre raison. Je lui ai dit simplement de laisser cette jeune fille tranquille. Maman, tu es une personne extrêmement intelligente. Mais en matière d'histoire de cœur et de romance, excuse-moi de te dire que tu n'es pas très douée. Je suis absolument certain que tu es très fière de toi. Cependant, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Le plus important, chérie, le plus important... Que cette relation n'est pas possible, qu'il doit arrêter immédiatement, que je lui interdis de revoir cette fille. Voilà ce que je lui ai dit. Oui, j'imagine ça très bien, maman. Mais tu veux que je te dise, et tu dois m'excuser, s'il te plaît, pour ma sincérité, cette interdiction ne fait que renforcer l'envie de Léo d'être avec cette fille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie, maman. Tu ne connais pas bien tes petits-fils, alors? Si tu veux vraiment... que ton petit-fils Léo fasse quoi que ce soit, interdis-le-lui. Allô? Mon oncle, si tu m'appelles par rapport à la discussion que j'ai eue avec grand-mère, laisse-moi te dire que tu perds ton temps. Cette fois, grand-mère n'a pas raison. Je n'ai absolument rien à lui dire. Léo, s'il te plaît, détends-toi un peu, calme-toi. Je ne t'appelle pas du tout par rapport à cette discussion avec ta grand-mère. Non. Tu m'écoutes? J'ai besoin de parler de quelque chose de très important avec toi. C'est urgent que je te parle. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu comprennes que ce que maman t'a dit n'était ni un caprice, ni non plus un ordre qu'elle essaye de t'imposer. J'en ai marre, mon oncle. Toujours les mêmes histoires. Toujours les Gutiérrez ou la meurtrière. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. J'étais tout petit quand mon oncle a été assassiné. Et je crois que Maria Lucia n'était même pas encore née. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on en revient toujours au même problème. Non, mon oncle, tu te trompes. Ce problème n'est pas vos affaires et ça ne l'a jamais été. Tu veux que je te dise une chose? Léo, vous avez quand même hérité d'une partie du problème. Parce que Maria Lucia est la fille de Virginia Gutiérrez. Oui, Irène me l'a dit au bureau. Et je vois pas où est le problème. Quoi? Le problème, c'est que vous pourriez... Je ne veux pas parler de ce genre de choses au téléphone. Je ne veux pas discuter comme ça, Léo. Rends-moi service, s'il te plaît. Je suis ton oncle. Viens, on va parler tranquillement et après tu pourras prendre la décision que tu veux. Franchement, je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas réussi à convaincre Léo de venir ici discuter avec toi, mon fils. Maman, c'est bon, s'il te plaît, calme-toi, ok? Respire et calme-toi. Je trouve déjà pas mal que Léo m'ait promis de venir me voir pour me parler de tout ça. S'il te plaît. Tu ne te rappelles pas à quel point les amours de jeunesse sont intenses? L'histoire de Roméo et Juliette. C'est précisément à cette histoire que je pense. En effet, on doit réagir rapidement, mon fils. Cette relation est impossible. Un moment. Nous ne sommes pas encore entièrement certains que cette gamine est la fille de mon frère Miguel. Ce sont des suppositions, rien de plus. Des suppositions épouvantables. Oh non, on ne peut tout de même pas aller lui dire « Écoute, Léo, il se trouve que ton papa n'est pas ton papa. » Oh non, je t'en prie, mon fils, c'est vous les responsables de cette situation. Parce que vous n'avez pas été sélectif. Vous avez laissé ces gens entrer dans la vie de notre famille. C'est bon, maman, s'il te plaît, jusqu'à quand? Mais je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Tu imagines la meurtrière de mon fils? Elle est de la famille de l'épouse de Leonardo, mon fils. Et maintenant, c'est cette Maria Lucia, cette gamine qui veut entrer dans notre famille. C'en est beaucoup trop pour moi. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu m'entends? Jamais. Ma jolie petite nièce, comment tu te sens? Ben, avec encore beaucoup d'émotions à l'intérieur, comme tu peux le comprendre, après tout ce que j'ai appris aujourd'hui. On a pleuré, on s'est embrassés... Et on s'est même pardonné, hein? C'est bien.
Virginia a beaucoup souffert, et maman aussi. Mais maintenant, le plus important, c'est qu'on soit ici ensemble, comme ça aurait toujours dû l'être. Les Gutiérrez ont toujours été unis et prêtes à se battre contre l'adversité. Je crois que le temps est enfin venu d'être heureuse. Oui. Je l'espère de tout cœur, parce qu'il y a toujours quelque chose. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pas de tristesse, hein? Écoute-moi, je suis très heureuse et maintenant que je sais que Virginia est ma mère, je me sens plus forte et rassurée. Irène? Attends, ou je dois t'appeler tante Irène? C'est comme tu veux. Non, bon, alors Irène, ça ira. Ça me fait plaisir que, pour toi, le bonheur ait vraiment commencé avec ton mariage avec Leonardo, l'homme que tu as toujours aimé. Oui, c'est vrai. Mon mariage m'a vraiment rendue très heureuse. Oh, quel bonheur. Bon, et si on trinquait à tout ce bonheur et à tous ces souhaits qui se sont accomplis, hein? Je ne sais pas avec quoi, parce qu'ici, on n'a pas d'alcool. Oh, maman... Alors on va trinquer avec du citron et du pamplemousse, très doux, parce que c'est comme ça que nos vies vont être à partir de maintenant. Très douce. Oui. Tu ne gagneras pas. Oui, tu gagneras tricheur. Pas. Donne. Allez, allez. Vite, vite. Alors, addition. Alors, on en était où? N'essayez pas de me tromper, parce que je sais que vous étiez en train de jouer. Maintenant, allez vous laver les mains et ensuite vous descendrez dîner. Et après, vous irez vous brosser les dents. Vous monterez, vous mettrez vos pyjamas et vous dormirez parce que demain, il faut se lever tôt pour l'école. Mais on préfère attendre papa et Irène pour dîner tous ensemble. Mais ça, ça ne va pas être possible. Parce que votre père n'est pas là. Il est parti en voyage. Ah bon? Et où ça? Mais il nous a rien dit. C'est moi qui vous le dis et c'est suffisant. Et Irène? Elle est partie aussi? Je ne sais pas où est Irène et ça ne m'intéresse pas. Et votre papa m'a interdit de vous parler de son voyage. Alors faites-moi plaisir, descendez et faites ce que je vous dis. Allez vous laver les mains pour le dîner. Oui, ma tante, mais on veut tout savoir. Oui? Oui. Bon, très bien, je vais vous le dire. En fait, votre papa m'a demandé que je lui prépare sa valise pour lui tout seul. Et j'ai le sentiment qu'il va quitter Irène, qu'il va se séparer d'elle. Alors commencez à vous faire à l'idée que dans cette maison, tout va redevenir comme avant. C'est compris? Comme si rien n'avait changé. Et voici son dossier. Qu'on a depuis qu'elle a été internée, ça fait 5 ans. Il est complet. Pendant 5 ans, nous avons fait notre maximum pour en savoir plus sur son identité. Sur un endroit d'où elle pouvait venir, n'importe quoi. Mais c'était malheureusement impossible. Pendant ce temps, nous avons tout mis en œuvre pour faire des examens nécessaires jusqu'à ce qu'elle prenne un médicament de votre laboratoire et que commencent à surgir des souvenirs comme vous avez pu le constater aujourd'hui. Docteur, moi je me demande comment vous n'avez pas pu enquêter sur son passé. Avec tous les outils technologiques qu'on a aujourd'hui, comment n'avez-vous pas pu savoir qui elle était? Monsieur Ferrandiz, nous ne disposons pas d'un budget suffisant pour cela. Nous avions limité nos recherches au périmètre des îles de Cannes. Nous n'avions pas pensé au Venezuela. Oh, Leonardo, s'il te plaît, le docteur n'y est pour rien. Tu penses bien qu'ils ont fait leur maximum avec les moyens qu'ils avaient à leur disposition. Et je crois qu'ils ont bien pris soin de Rebecca. Et d'après ce qu'on m'a raconté, on peut dire que son cas est un miracle. Un miracle, oui. Ça va faire 3 mois qu'on a commencé à travailler avec votre médicament, celui de votre laboratoire. Et contre tout pronostic, la patiente a commencé peu à peu à reparler. Elle a commencé à récupérer la capacité à communiquer. Et depuis cette dernière semaine, les souvenirs lui reviennent. Croyez-moi, pour nous tous, c'était une surprise. Quand un jour, alors qu'elle était en train de lire la notice du médicament, elle a vu le nom de Ferrandiz. C'est comme si sa mémoire était réapparue tout d'un coup. Comme par miracle, ipso facto. Et c'est là qu'elle m'a dit droit dans les yeux, « Rebecca, ça c'est moi, Madame Rebecca de Ferrandiz. » On était tous complètement ébahis. Adolfo? Oui, il m'a vu. Oh, tu peux pas imaginer sa tête. C'était comme s'il venait de voir un zombie ou un extraterrestre. C'est bon, tu peux rester tranquille. Il a cru complètement à l'histoire. Là, il est en train de discuter avec le docteur.
Franchement, le jeu de ce docteur vaut chaque centime qu'on lui a payé. Et bien sûr que demain, il va revenir. Demain, je serai à nouveau la douce épouse de Leonardo Ferrandiz, propriétaire de sa fortune. Je vais demander à ce qu'aujourd'hui, une copie du dossier soit envoyée à Caracas. Comme ça, le docteur qui la traitera là-bas pourra avoir accès à ses antécédents. Tous. La traiter à Caracas? Bien sûr. Vous pourrez la renvoyer là-bas quand vous le souhaiterez. En fait, eh bien, elle est en bonne santé, ses souvenirs refont surface, alors il n'existe aucune raison pour qu'elle reste hospitalisée ici. Bien sûr, docteur, vous avez raison. Docteur, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un événement très inattendu. Et Monsieur Ferrandiz a besoin de régler certaines choses, le voyage, mais aussi informer sa famille, ses enfants. Et excusez-moi, je ne voulais pas être imprudent. Je vais de ce pas demander la copie du dossier. Je vous laisse. Merci. Allez, calme-toi un peu, hein. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Alejandra? Que vais-je faire maintenant? Bon, on s'est bien amusé aujourd'hui, mais... maintenant, je dois aller voir les enfants. Allez, Irène, je te raccompagne jusqu'en non, bas. Non, ce n'est pas nécessaire. Le taxi va arriver bientôt. En plus, je suis sûre que toi et Marielle aussi avez encore beaucoup de choses à vous dire. Et moi, je vais te demander ta bénédiction en tant que ma tante. Oui, maintenant, j'ai une nièce adorable et bien responsable. Bon, j'ai toujours été ta nièce. Mais mamie Trinidad m'a expliqué que ça faisait déjà un moment que tu le savais. Viens là. Au revoir. Au revoir. Au revoir, maman. Maman chérie. Ah non. Qu'est-ce qui t'arrive? On a dit qu'on allait chasser la tristesse de cette maison et qu'on allait laisser entrer juste le bonheur, oui ou non? Et c'est pour ça qu'on doit encore régler beaucoup de choses. Comme par exemple... comment tu veux que je t'appelle maintenant? Grand-mère? Mamie? Nanny? Ah, je n'y avais jamais pensé. Non, mais grand-mère, non. Tu ne vas pas m'appeler grand-mère ici parce que les voisins vont se moquer de moi. Maman, s'il te plaît, arrête de penser à ce que vont dire les autres. Je vais vous demander pardon, mais je dois répondre à cet appel, hein? Excusez-moi. Maman a coupé que c'est ce bon à rien de Ferrandiz qui veut lui conter monts et merveilles. Il va falloir que tu disciplines ta fille. Oui, allô? À qui vous voulez parler? Salut, ma chérie. Je t'appelle pour te dire que tu me manques beaucoup. J'ai la sensation que ça fait 10 ans que je ne t'ai pas vue. Et moi, je te manque un petit peu. Bien sûr. Tu me manques jusqu'aux étoiles. Et c'est tout? Bon, aller-retour. C'est mieux. Mon amour. Moi aussi, je me suis habituée à être avec toi. À ta présence et à tes bisous. Je te jure que je peux plus vivre sans toi. Maria Lucia, j'ai besoin que tu me racontes tout. À propos de quoi, mon amour? À propos de la conversation que tu as eue avec ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ça s'est passé? Ben, je te promets que je vais tout te raconter, mais pour l'instant, je peux pas. Comment? Tu vas raccrocher ou quoi? Mon amour, en fait, je suis dans la chambre de ma mère. Bon, de ma grand-mère. Tu sais, dans ma chambre, il n'y a pas de réseau. Je t'assure qu'elles vont venir me déranger d'une minute à l'autre. Bon, d'accord, t'inquiète pas. Demain matin, je passerai chez toi tôt et tu me raconteras tout. Ben, ça va pas être possible non plus. Écoute, je peux plus m'absenter de l'université. Et puis toi, tu dois travailler aussi. Est-ce que t'as oublié tous nos projets d'indépendance? On n'a pas le choix. Pour aller de l'avant. Bien sûr, mon amour. Je fais que penser à ça, mon amour. Et j'ai hâte d'être au moment où on va habiter ensemble. D'être avec toi. De te voir tous les jours. Je t'aime fort, chérie. Je t'aime encore plus. Non, non, non. C'est moi qui t'aime plus. Bon, si tu le dis. Bon, mon chéri, je te laisse avant que ma grand-mère n'arrive. Bisous. Leonardo, j'ai pris la liberté de te réserver une chambre dans l'hôtel le plus proche d'ici. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, ni avec beaucoup de style, mais c'est bien, c'est propre et c'est tranquille. Et c'est à côté, ce qui est le plus important. J'ai pris une chambre là-bas, moi aussi. Merci.
Alejandra, j'ai besoin de réfléchir. Je ne sais pas quoi faire. Dis-moi, comment je vais expliquer ça à mes enfants sans les traumatiser? Comment je vais le dire à Irène? Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Les conséquences sont inévitables. D'accord, mais ce n'est même pas ça. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, beaucoup de temps est passé. Je ne sais même plus si je ressens quelque chose pour Rebecca. Leonardo, écoute, je sais que en ce moment, tout est très confus et que tu es très mal, mais Leonardo, c'est ton épouse, Rebecca. Tu ne peux pas l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de toi. Il y a des moments où je me sens coupable. Et j'ai donné raison à Adolfo Casares quand il a dit qu'on avait abandonné les recherches trop tôt. On aurait dû persister. Oh, c'est bon, Leonardo, ne te sens pas coupable. Tu sais que, eh bien, tout ce que tu ressens en ce moment, c'est normal. C'est inévitable. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle puisse survivre à ce terrible accident. Écoute, le médecin m'a dit qu'elle avait seulement récupéré une partie de sa mémoire. Et qu'on devait y aller tout doucement. D'accord, il va falloir réunir les meilleurs spécialistes. Je vais m'occuper moi-même de sa santé. Bon, tu vas devoir effectivement t'occuper de ça, entre autres choses. Mais bon, pour l'instant, je crois que le mieux, c'est que tu ailles lui dire bonsoir. Dis-lui au revoir et allons nous reposer. Lui dire au revoir? Bien sûr, Leonardo. Tu voudrais la laisser ici sans lui dire bonne nuit? Qu'est-ce que tu crois qu'elle va penser? Oh, je t'en prie, Leonardo, ne sois pas cruel. Allez, je t'attends ici. Vas-y. Pourquoi tu as tardé autant? Tu m'as tellement manqué pendant tout ce temps. Je veux plus être loin de toi, je veux plus vivre sans toi. Bon, d'accord. On va avoir le temps. Et là, je suis venu te souhaiter bonne nuit. Oui. Je dois aller à l'hôtel pour passer quelques appels. Je dois appeler le Venezuela pour tout organiser. Oui, pour pouvoir partir demain matin tôt. Et aussi appeler quelques spécialistes pour qu'ils continuent ton traitement. Non, si... je n'ai plus besoin de docteur. Je vais bien. Et tu es revenu. Tu es revenu pour moi. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est rentrer à la maison. Je veux recommencer à dormir avec Lena. Tu sais comment elle est quand je ne dors pas avec elle. Elle est si, si petite. Elle a beaucoup changé. Reste avec moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas pour l'instant. Il faut que je rentre à l'hôtel pour tout organiser et partir demain matin très tôt. C'est très important qu'on parte vite au Venezuela. Mais je te promets que dès demain, je reviendrai ici pour te chercher. Non! Non! Reste avec moi! Reste avec moi, Leonardo! Reste avec moi! Ne me laisse pas ici! Pas cet endroit! Mon amour. Je suis tellement habituée à dormir avec toi que rien que d'imaginer que demain au réveil tu ne seras pas là, ça me fait mal. Où es-tu, Leonardo? Où est-ce que tu es? Confiance, sincérité. Des mots qui ne me parlent pas beaucoup. C'est comme tourner les feuilles de ce livre et ne rien lire du tout. Où es-tu, Leonardo? Pourquoi es-tu parti sans aucune explication après l'appel d'Alejandra? Tu allais vraiment t'en aller comme ça, sans même me dire au revoir? Et si je n'étais pas montée? Mon amour, ne m'oblige pas à donner raison à ma mère. Je veux sincèrement avoir confiance en toi. Parce que je t'aime. Parce que je sais que tu es un homme bon. Parce que tu m'as promis que rien n'allait changer. Ah, mon amour. S'il te plaît. S'il te plaît, tiens la promesse que tu m'as faite. S'il te plaît. Solo quiero estar contigo.
mundo para que dejarte, para luego salir corriendo a y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar con. Vous êtes encore réveillée sans appétit, ma petite. Aujourd'hui plus que jamais. Le voyage de Leonardo m'angoisse énormément. Ne m'en parlez pas. Bon, excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants me posent plein de questions et je ne sais pas quoi leur dire. Ce matin, avant de partir à l'école, ils m'ont bombardée de questions. Et bon, j'ai plus ou moins réussi à esquiver. Ah, ma Consuelo, ne cherchez pas de soutien chez moi, je ne sais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que normalement, ce voyage devrait être court. C'est bizarre que M. Leonardo soit parti sans nous laisser même un minimum de détails sur l'endroit où l'on peut le trouver. Oui, il est toujours très strict avec ça. Pour qu'on puisse le contacter au cas où il y aurait une urgence. Bon, ne vous inquiétez pas, parce que je suis sûre qu'il a son téléphone et qu'on peut toujours l'appeler au cas où il y a quelque chose. Soyez tranquille, d'accord? Excusez-moi, madame. Merci, Consuelo. Appelle-moi, Leonardo. Appelle-moi où que tu sois. J'ai au moins besoin de savoir que tu te portes bien. S'il te plaît, mon amour, ne me laisse pas comme ça toute seule à m'imaginer plein de choses. Appelle-moi et dis-moi où tu es. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Leonardo! C'est toi? Non, ça ne peut pas être toi. Non, ne m'abandonne pas ici, s'il te plaît. Je n'aime pas cet endroit. Reste avec moi, s'il te plaît. Reste avec moi. Reste avec moi. C'est tellement absurde. Découvrir après tout ce temps que tu es vivante. Et justement, au moment où, pour la première fois en 5 ans, je sais ce que je veux pour ma vie et pour ma famille. Je veux recommencer à dormir avec Léna. Tu sais comment elle est quand je ne dors pas avec elle. Elle est si petite. Comment je vais expliquer ça aux enfants? Et à Irène, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bonjour. Tu as bien dormi? Bon, disons mal. Ah, enfin, ce n'est pas exactement un hôtel 5 étoiles, mais bon. De toutes les manières, on n'avait pas beaucoup d'autres options. Et puis, ce n'est que temporaire, n'est-ce pas? J'imagine que nous rentrons à Caracas. Toi, oui. Moi, je pense que je reste. Je ne suis pas encore certain de vouloir rentrer. Qu'est-ce que tu dis? J'ai besoin d'en savoir un peu plus. J'ai besoin de discuter avec ce docteur et aussi avec cette femme, qui se dit être Rebecca. Leonardo. C'est ton épouse, c'est Rebecca. Comment tu peux en douter? J'ai du mal à l'accepter. J'ai besoin d'en savoir beaucoup plus. Alors, comme ça, ton patron a osé te montrer son deuxième visage, c'est ça? Oui, Tony, quelle angoisse. Bon, c'est vrai que je savais qu'il était arrogant, prétentieux, mais je ne l'avais jamais vu comme ça. Il est devenu complètement fou. Écoute, Maribelle, je te jure que si ce type continue à te menacer même un tout petit peu, il va me trouver, tu m'entends? Parce qu'il te doit absolument le respect. Oh, Tony. Merci beaucoup. Mais ne t'inquiète pas, j'ai encore le contrôle de la situation. Je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Moi? Oui. Non, Maribelle, c'est lui qui va avoir des problèmes, pas moi. C'est mon patron. Il a besoin de moi de toute urgence au bureau. Mais tu as encore 40 minutes devant toi avant de reprendre. Aujourd'hui va être une très longue journée, Maribelle. Je suis désolée, mais... si ce type dépasse les limites avec toi, il aura affaire à moi. Calme-toi, il va me Denis, trouver et je suis sérieux. Calme-toi, enfin. Ça va aller. Je t'assure qu'il ne se passera rien.
Mais où est passée Sandra? Loupé m'a dit qu'elle était déjà en bas. Bien sûr, elle doit être à la pâtisserie. Salut Maria Lucia, comment vas-tu? Non, arrête de faire cette tête. Je ne vais pas te manger, du calme. Excusez-moi, mais je ne peux faire que cette tête quand je tombe sur vous. Ça tombe bien, parce que c'est justement avec toi que je voulais parler. Adolfo, je suis très très inquiète. Leonardo insiste pour enquêter sur ce qui s'est passé avec Rebecca. Comment elle a atterri dans cette clinique? Je sens qu'il n'a pas gobé toute l'histoire. On savait que cela pouvait arriver. Leonardo n'est pas un idiot. Et en plus? Il veut discuter avec elle avant de la ramener voir ses enfants. Nous nous attendions à cela aussi, Alejandra. Ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille. Tout est déjà planifié à la perfection. Il ne trouvera absolument rien de bizarre ou qui puisse nous faire suspecter. Et s'il l'emmène consulter un autre médecin à Caracas, ils vont tout découvrir. Cela non plus n'arrivera pas. Écoutez, Rebecca est préparée à tout ça. Et en plus, nous pouvons toujours trouver la possibilité de l'envoyer vers un des médecins que nous pourrons contrôler. Hein? Je vous rappelle qu'elle est amnésique et non démente. Elle aura toujours la possibilité de choisir son propre médecin. Adolfo, j'espère sincèrement que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Parce que si Leonardo découvre la supercherie, je ne resterai pas sans rien dire. Je lui dirai toute la vérité. Allons, Alejandra. Arrêtez. Vous ne lui direz rien. Ou c'est nous qui vous ferons taire. Ce qui se passe, c'est que c'est moi qui ai le plus à perdre dans cette histoire. Écoutez-moi bien, Alejandra. Attention. Faites très attention. Ce n'est pas vous qui allez faire tomber notre plan à l'eau. Bonjour, mon oncle. Tu arrives 20 minutes après l'heure que nous avions fixée. Estime-toi heureux, tu sais comme c'est difficile pour moi de me réveiller tôt. Bien sûr que je le sais. C'est pour ça que je t'avais demandé d'être ponctuel. Et je te l'ai demandé parce que j'ai besoin de te parler de quelque chose d'extrêmement important. S'il te plaît, mon oncle. Écoute-moi, en tant qu'adulte, même si ça doit être la seule fois de ta vie. S'il te plaît, n'exagère pas. Tu sais très bien que je suis responsable et que je suis un adulte. Oui, bien sûr. Comme si je ne connaissais pas mon grand et mature neveu. Écoute, Léo, bien que je sois ton oncle et toi mon neveu, nous avons toujours été bons amis, ou du moins, c'est ce que j'ai toujours cru. C'est le cas, mon oncle. Tu es et tu as toujours été mon oncle préféré. Mais s'il te plaît, ne dis rien à ma tante Agustina parce que tu sais comment elle est. D'accord. Alors assieds-toi et écoute-moi. Non, mon oncle, je t'écoute parfaitement bien debout. Et c'est mieux si on se dépêche parce que je dois arriver à l'heure à mon entraînement. Ah oui? Et depuis quand tu t'inquiètes pour ton entraînement? Mon oncle, allez, parle. Je suppose que tu vas me parler de Maria Lucia. Et je te dis tout de suite que cette conversation ne va pas durer. Et tu crois ça? J'en suis sûr, mon oncle. Et je te préviens que rien de ce que tu me diras me fera changer ma relation avec Maria Lucia, ni notre projet de nous installer ensemble. Voilà, j'ai déjà tout préparé. Les copies du dossier, les recommandations, en fait... Vous pouvez emmener la patiente quand vous le désirez. Merci beaucoup, docteur. Vous savez... Hier soir, alors que j'essayais de dormir, j'ai bien réfléchi et je crois que, avant de partir d'ici, vous devriez la préparer un peu parce que je ne veux pas, en fait, l'exposer à une rencontre avec ses enfants avant qu'elle n'ait un peu plus la conscience du temps qu'elle a passé ici, beaucoup plus long que ce qu'elle croit. Je comprends. Oui, je vous comprends et je trouve ça très judicieux de votre part. Mais mon devoir est de vous avertir que nous avons déjà commencé ici ce processus et vous pouvez me croire, mais ça prendra un petit peu plus de temps que prévu. Bon, je peux faire quelque chose dans ce sens-là. J'ai apporté les photos de mes enfants et je peux lui montrer pour qu'elle se rende bien compte que le temps est passé bien plus que ce qu'elle ne pense. Très bien. Je vais aller vérifier si la patiente est maintenant prête à vous recevoir, ça vous va? Merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Alejandra, je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait et surtout d'avoir interrompu ton voyage en Europe pour t'occuper de mes affaires personnelles. Tu sais très bien que pour moi, ça n'a jamais été un voyage de plaisir. Et puis, le plus important, c'est qu'on résolve cette affaire. On a déjà retrouvé Rebecca et je suis contente d'être là. Et je t'en remercie, mais à partir de maintenant, je peux m'en occuper tout seul. Alors, tu peux retourner à Caracas quand tu veux. Non, pas question.
Je ne vais pas te laisser seule dans un moment pareil. Ça, c'est hors de question. Ah, Leonardo, je sais que tu es en train de traverser une période très difficile. Et je comprends. Franchement, je n'aimerais pas être à la place de la pauvre Irène. Tu imagines, quand elle va découvrir que son mariage n'a plus aucune valeur. Oh, la pauvre femme. Très honnêtement, je suis bien contente aujourd'hui de ne pas me trouver à sa place. Alors je te remercie de ne pas m'avoir épousé moi, mais elle. Bonjour maman, ça va? Ma fille, je t'ai laissé le petit déjeuner dans la cuisine. Non maman, j'ai pas le temps. J'ai pas entendu le réveil, je suis carrément en retard. Mais faut dire que toutes ces émotions... Bon ma fille, mais tu aurais dû me demander de te réveiller. Prends au moins un petit peu de jus et du café. Cette entreprise ne va pas non plus faire faillite parce que tu arrives 10 minutes en retard. Toi et ta sœur êtes en train de faire vos vies en fonction de ces gens. Quelle horreur, non, maman, franchement. Ce n'est plus du tout le cas. Tu sais que le tribunal va contrôler mon comportement au travail et... Et je veux que ce soit impeccable. Bon, et Maria Lucia? Elle est partie très tôt à l'université. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Maman, si Maria Lucia t'a dit qu'elle partait à l'université, c'est que c'est vrai. Ma fille ne dit pas de mensonges. Bon, allez, moi je dois y aller. Ma fille... Quoi? Attends, tu ne m'as pas dit ce que je dois répondre à Maria Lucia quand elle me demandera qui est son père. Je suis sûre qu'elle va me poser la question. Maman, je te l'ai déjà dit. Si elle te demande, tu lui dis que tu ne sais pas et si elle insiste, dis-lui de me demander à moi. Je vais voir comment je vais régler cette situation. Allez, salut maman. J'ai appris que tu connaissais la vérité. Je sais pas de quoi vous parlez. Que Virginia est ta véritable mère? Et en quoi ça vous regarde? Qu'est-ce que vous savez de ma famille? Je te l'ai dit il y a très longtemps. Virginia et moi, nous avons été de très bons amis. Bon, en réalité, on a été plus que de bons amis. Je ne le crois pas. Je doute fort que Virginia ait été avec un homme comme vous. Tu ne l'appelles pas maman? Je suppose que ça ne doit pas être facile pour toi de changer de mère d'un jour à l'autre. J'imagine que ça sera pareil avec ton père, non? Ou ton père, est-ce que tu vas l'appeler papa? Tu ne sais pas la vérité. Virginia ne t'a pas encore dit qui était ton vrai père. Éloigne-toi de ma fille, espèce de dégénéré! Je ne comprends pas que toi aussi, tu sois contre Maria Lucia. Tu ne la connais même pas. Ce n'est pas ça, Léo. Moi, je n'ai rien contre elle. Moi, je trouve que c'est une fille très bien. Et elle est très belle et intelligente. Et c'est complètement normal qu'elle te plaise. Alors, pourquoi ça te dérange que je sois avec elle? Parce que les raisons n'ont rien à voir ni avec toi, ni avec elle. Ce sont des raisons extérieures, mais pas moins graves pour autant. Pourquoi? Parce que c'est la fille de la meurtrière de mon oncle. Et même si c'était le cas, elle n'aurait rien à voir avec ça. En plus, je me rappelle même pas de lui. Que tu ne t'en rappelles pas ne veut pas dire... Pourquoi est-ce qu'on devrait payer les erreurs que d'autres personnes ont commises dans le passé, mon oncle? C'est pas juste. Ces erreurs, comprends-moi s'il te plaît, ont des conséquences dans le présent. Si tu continues cette relation, tu vas faire du mal à plusieurs personnes, surtout à Maria Lucia. Ce sera elle la plus affectée, et par ta faute. Mais je ne vois pas pourquoi. Mon père s'est marié avec la sœur de la meurtrière. Et toi, tu lui as donné du travail ici à la société. Et je sais que tu la traites bien. Je ne comprends pas pourquoi vous pourriez, pas moi. Il y a une différence, Léo. Il y a une différence, et elle est très grande. Dis-moi laquelle, parce que je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas que je sois avec Maria Lucia? Comment t'expliquer que vous êtes peut-être frère et sœur sans te dire qu'il est possible que tu ne sois pas le fils de Leonardo? Comment? Mon Dieu. Comment je vais faire maintenant? Comment expliquer à mes enfants que leur mère est encore vivante? Allô? Salut Leonardo, c'est moi. Excuse-moi de te déranger, mais... J'avais besoin de t'entendre. J'avais besoin de savoir que tu allais bien. Mon amour, non, voyons. Tu ne me déranges pas du tout. C'est même plutôt le contraire. Tu ne peux pas imaginer comme j'ai envie d'entendre ta voix. Que tu sois près de moi, tu ne sais pas combien tu me manques. Je n'aurais jamais cru. Comme tu ne m'as pas appelé pour me dire que tu étais bien arrivé. Et comme tu ne m'as pas dit non plus où tu es... Et pourquoi sans moi? Je vais tout t'expliquer, comme je te l'ai promis. Mais il me reste encore beaucoup de choses à éclaircir, donc s'il te plaît, aie confiance. Tu sais que j'ai confiance en toi. Et tu sais que je t'aime. Mais je ne sais pas pourquoi cette situation me rend aussi nerveuse. J'ai besoin de savoir où tu es. Et tout ce qui se passe.
Leonardo, dis-moi s'il te plaît avec qui tu es et où, je t'en prie. Dis-moi où tu es. Perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?